Bon, jour 56 sur la Green River. On n'oublie pas l'objectif, trouver des tortues. Tortue, tortue, tortue. Bon, du coup on est que tous les deux pour faire le Pearl Green. On l'a jamais fait de notre vie, mais c'est pas grave, on a vu des vidéos sur YouTube. Donc ça va le faire. Même pas. Moi j'ai vu une vidéo sur YouTube. De toute façon c'est quoi la Green? C'est toi qui ouvre alors? Ouais, j'ouvre avec grand plaisir. Okay. Mec, il voit pas ça, t'as des électrolytes dedans? T'as des électrolytes? Non mais le pH, fais gaffe au pH. Attends, passe-moi la bouteille, faut que j'ai vérifié. Attends, j'ai fait des études de biologie. Mec. Bon, j'ai foiré ma licence, mais c'est pas grave. Ok, alors. Life water. Il y a des électrolytes, un pH parfait. Life water is the evolution of water, perfect to help you thrive, just like a plant sucking water. Life water hydrates your whole body the way nature intends. Pas grave, t'as le bouchon ouvert. Non, il est fermé mon bouchon. Bastien! On est pressé! Ah, y en a qui sont sur l'eau, il y en a qui font les influenceurs là, toujours à faire des vlogs, faire je sais pas quoi. On peut pas profiter de la nature un peu, des usines, des ponts, des pylônes électriques. Bon, on a une quête secondaire avec Bastien sur cette descente, c'est de capturer une tortue sauvage. Parce que y a plein de tortues sur les berges. Il y a même des écrevisses, on a vu des salamandres, des sangsues. Il y a plein de petites bestioles qui vivent sur la Green. Allez, go faire la Green à vue! Y'a des tortues! Jour 34, nous dérivons avec Bastien sur la Green River, désespérément à la recherche des tortues. Ah, y'a des rapides! Y'a des rapides! Un rock splat. Ah mec, je suis dans la merde là. Je suis dans la merde. Mec, t'as un truc, t'y fonces dessus. Et tu te mets dans la map. T'es un rapide de classe 2. Wouah, j'ai failli mourir. C'était trop extrême. Wouah. Wouah. Bon, y'a pas à dire, les États-Unis d'Amérique, c'est beau. Ah, j'entends de l'eau vive. Putain, faut peut-être le repérer, ça, on y va à vue. Ça passe à droite. Le siphon! Tortue! 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 A waterfall! Is that a waterfall, man? Tortue! Bastien!
T'as vu des tortues? Vous pouvez voir au-dessus de nous l'Interstate 26. Voilà. C'est un paysage typiquement nord-carolinien. C'est l'autoroute qui va de Charlotte à Asheville. C'est beau la nature, c'est beau putain! Bon, on arrive dans les Narrows. Là, ça va commencer à pencher fort. Il y a du gros 5, ça va être trop cool. Bon, après, c'est la 10e fois qu'on l'a fait cette semaine, la green. Donc, ça va, je commence à connaître les lignes. Il n'y a vraiment pas d'eau. Ça va être la green la plus basse qu'on ait faite. Je suis pas sûr que Gorilla et Sunshine. On va pas tenter aujourd'hui. T'en penses quoi, Bastien? J'ai même pas envie de faire golette. Je pense que même la chicken pass elle passe pas du coup, qu'il n'y a pas d'eau. Ah, ça va être rigolo, ça va être drôle. C'est les copains. T'as désolé, je me suis pris une cravate. Ah oui, j'ai vu, oui. C'est un petit peu lourd, mais c'est la merde aussi. Putain, y'a vraiment pas d'eau. Bon là, y'a vraiment pas d'eau. Donc la cravate est très très vite arrivée. Y'a des siphons vraiment partout. Donc finalement c'est plus dangereux que prévu de faire une green sans eau. Là on est vraiment lagué. Il y a des arbres dans tous les sens, il y a une tempête. Golef Torda, il est... Ah, il est affreux là, il est vraiment pas beau.
on récupère les bateaux échoués sur la course. Il y a deux bateaux là, deux autres bateaux là-bas. Il faut qu'on les redescende. Mais la rivière elle est vraiment pas belle. Il y a des siphons partout. Dans le contre, je viens de trouver un morceau de siège. Donc je sais pas à qui il appartient, mais il a dû passer un sale moment le gars. C'est un bout de siège. Et hop, on nettoie la nature. C'est quoi ça? Un Seswix? Ouais. Ok. C'est bas, hein. Là t'as pas le droit à l'erreur. C'est bas mais c'est faisable, il y a vraiment l'eau qui pousse à droite. Et les slides derrière, bon, on va les faire, on va faire l'embarquement à l'américaine là. Mais ça va taper cailloux, beaucoup cailloux. Beaucoup de cailloux. Beaucoup de cailloux. Bon ça y est, les Narrows c'est fini. Maintenant on est dans le territoire des tortues. Des cistus d'Amérique. Tortues. Bon Bastien, les tortues elles sont où? Putain, on n'a pas vu de tortue. Elles sont en bas, les... Je suis littéralement en train de flotter à la dérive, à la recherche des tortues. Normalement, elles aiment bien se mettre sur les rondins de bois comme ça. Après, ce qui est bien, c'est que je suis 100% étanche grâce à ma petite dry sandy line qui fait vraiment le taf. J'espère qu'il n'y a pas d'alligator. Avec le changement climatique, on sait jamais.
Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de tortue, il n'y a pas d'indien, il n'y a pas d'indien, il n'y a pas d'ours. Il n'y a pas d'ours. Bah, pour une dernière, c'est pas glorieux quoi. Mais sinon, avec plus d'eau, pourquoi pas quoi. En vrai, c'était drôle, mais. On peut en faire une avec autant d'eau si vous voulez. Ouais, avec 200%. Bon, on est sorti de la green, on est cherché le premier resto. Bon, déjà, ils passent de la très bonne musique, mais ils vendent du matos de kayak à l'intérieur du resto. C'est génial. La terrasse du resto, elle est sponsor Astral, et ça, c'est magnifique. Putain, je veux le même à la maison, il est trop beau. Honnêtement, ça a l'air pas mauvais. J'en ai eu un peu cher parce que j'ai pris entrée, plat et le tips pour la serveuse, mais ça va le faire.